Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le casier judiciaire de Oumar N, le principal suspect dans l'affaire de l'agression de la jeune femme à Cherbourg. Oumar N, soupçonné d'avoir commis un V avec acte de barbarie sur une jeune femme de 29 ans à Cherbourg en Cotentin, était déjà impliqué dans des affaires d'atteinte aux biens et de violence. Une enquête est en cours concernant une possible agression S envers sa sœur âgée de 12 ans. À seulement 18 ans, l'individu soupçonné d'avoir perpétré le V avec acte de barbarie d'une femme de 29 ans était déjà connu du système judiciaire. Oumar N a déjà été condamné à 5 reprises par le tribunal pour enfants pour des actes liés à des atteintes aux biens et des violences. Cet individu compte déjà 17 mentions dans le fichier des antécédents judiciaires, 17 mentions, pour des infractions telles que des vols, recel de vol, agression S incestueuse et rébellion. Agression S incestueuse. 17 mentions. Selon le Figaro, en 2019, une enquête pour V sur mineur avait été ouverte, mais elle a été classée sans suite par le parquet en 2020 au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Ces allégations concernaient des faits survenus au sein d'un internat socio-éducatif médicalisé. Une autre enquête est actuellement en cours au sujet d'une possible agression S envers sa sœur âgée de 12 ans. À ce stade, il n'est pas possible de confirmer si ces allégations sont fondées. Pour l'instant, Oumar N a été inculpé le vendredi 11 août pour V, accompagné de torture et d'actes de barbarie. Le jeune homme de 18 ans a été placé en détention provisoire et une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Coutances. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Moi, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.